Pour ma retraite, j'anticipe. Je dépose ma demande 6 mois avant mon départ sur l'assurance-retraite.fr. Le Val-Joly vous présente Du Talent et du Cœur. Du Talent et du Cœur avec EuroShop Tournée. Aujourd'hui, je suis à Saint-Quentin et c'est Bertrand qui m'a donné le prénom de Jimmy. Jimmy, vous allez voir, c'est 1m98 de cœur médiateur. Alors Jimmy, on est où ici? On est dans un collège. Oui. Avec pas mal de monde. Du coup, vous m'avez vraiment accueilli. D'ailleurs, c'est une jante féminine essentiellement. Il y a aussi des garçons. Ah, quand même, il y a quand même des garçons, suis, ça va. Donc vous faites quoi ici? Raconte-moi. Pourquoi nous sommes là? Donc c'est un dispositif de la médiation par les pairs, on appelle la médiation scolaire. Depuis 4 ans, ce collège donc investit leurs jeunes, que nous, on vient former ces jeunes-là à ce qu'on appelle la gestion de conflits entre jeunes. Donc c'est des jeunes qui prennent une formation pendant 4 modules d'une heure. On prend un peu leur temps de scolaire et puis ils ont cette formation à l'issue. Ils ont un diplôme, ce diplôme est validé par l'éducation nationale, Madame le maire. Ouais, c'est quelque chose de très... très officiel. Voilà, et c'est très important pour eux en plus de pouvoir démarrer dès le plus jeune âge en fait. Hein. Voilà. Effectivement, ça c'est très intéressant. On travaille sur le secteur des collèges. Oui. Donc, on a l'école qui est élémentaire qui est à côté, l'école Ferdinand Buisson. Donc, les 6e, il y a une transition, ils viennent après au collège. Donc, la formation continue. Voilà. Pour nous, ce dispositif, c'est aussi préparer les jeunes à devenir des futurs citoyens de demain. Parce que c'est apprendre à vivre ensemble, c'est éviter les conflits, la violence. Donc, c'est. Tout simplement le bien-être, je dirais le bon sens vis-à-vis de ses camarades, d'être attentionné et l'amour vis-à-vis des autres. Et puis c'est un investissement vraiment personnel, puisqu'en fait ça leur demande du coup, par rapport à ce qu'ils ont eux vécu leur vie, de pouvoir retransmettre et de se servir de leur propre exemple pour aider et faire avancer les autres. Tout à fait. Donc la médiation scolaire, même la médiation en tant que telle, est volontaire. Mm-hmm. On ne l'impose à personne de devenir médiateur. Le processus, il faut une lettre de motivation comme vous et moi. Ah, vous avez dû écrire une lettre de motivation. Voilà. C'est chouette. Et donc, ils ont leur petit badge, etc. On C'est sait ça. Qui vous êtes. Et toi, Fleur, par exemple, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être médiateur? En fait, quand j'étais en primaire, on nous avait déjà proposé d'être médiateur, mais il n'y avait pas suite au projet. Mm-hmm. Et donc, j'étais un petit peu frustrée. Et le fait qu'on me le repropose en 6e, j'avais accepté et je trouvais que c'était une bonne idée. Tu t'es dit, j'y vais, j'ai trop envie d'aider les autres. Anna, toi, c'est pareil, t'as eu aussi cette envie d'aider un petit peu les autres. Oui. Comment ça s'est passé, dis-moi? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? J'aime bien aider les autres et j'ai envie qu'il y ait une bonne entente. Oui. T'aimes pas les conflits. Donc tu t'es dit, il faut que je mette ça au profit et que du coup, je fasse quelque chose au sein du collège. C'est génial les filles, en tout cas, merci beaucoup. Je vois que vous êtes hyper studieuses, alors que tout à l'heure vous racontiez toutes des blagues. En tout cas, merci beaucoup les filles, je vais vous laisser parce que je sais que vous êtes en cours, vous allez toutes en cours là. Je vais vous laisser travailler un petit peu. Et qu'est-ce qui t'a donné, en fait, toi, du coup, Jimmy, l'idée avec tes collaborateurs de faire ça au sein des écoles? C'est juste une complémentarité par rapport à la prévention, l'offre éducative de la ville qui est donc jouée sur la prévention auprès des adultes. Ouais. Et aussi un constat qui s'est tout simplement présenté, on s'est dit qu'il fallait être là au sein des écoles. Parce qu'en fait, vous faites déjà ça en ville, donc deux services de jour et de nuit, pour éviter d'appeler la police. Voilà, ça permet vraiment un bel intermédiaire, éviter énormément de conflits. Et effectivement, tu les as dès 16 ans finalement dans la rue. Et tu
t'ai dit, il faut aller vraiment à la source. Il faut aller à la source, donc auprès des écoles déjà élémentaires, donc les CM1, CM2, et puis une transition qui s'est faite au niveau des collèges. Ouais. Donc on a une présence, ce qu'on appelle une veille publique, sociale, urbaine, sur les espaces publics, on fait de la prévention. Donc pour nous, quand on dit dans notre jargon de médiation, les espaces de médiation, les établissements scolaires aussi font partie. Bon, en tout cas, chapeau, vous faites un sacré bon boulot. En tout cas, si vous aussi, vous connaissez des gens formidables ou incroyables comme Jimmy, n'hésitez pas, vous laissez un petit message sur la page Facebook de WEO et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur WEO. Salut, salut! Merci. Pour un traitement simple et rapide, faites votre demande de retraite sur l'assurance-retraite.fr. Le Val-Joly vous présente Du Talent et du Cœur. Du Talent et du Cœur avec Euroshop Tournée.